Salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et une petite surprise de Luna. Donc on va commencer par la surprise de Luna. Elle avait envie de partager avec moi des petits cadeaux que je lui ai dit qu'il fallait rien acheter. Donc on va faire une sorte d'ouverture de swap, mais je m'attends au pire avec elle, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle m'a fait des vannes et tout dans son truc, hein, on ne sait jamais. Donc vous verrez ça. Et après on ouvrira quelques colis que j'ai reçus. Comme ça fera une petite vidéo unboxing. J'ai pas spécialement craqué ces derniers jours, même si j'ai des envies particulières, mais je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Donc là, vu que j'ai pas fait de gros hauls et de gros achats, eh bien on va faire un petit unboxing de swap. D'accord. C'est bon, madame. Donc elle a mis ça dans le sac que je lui ai offert, ouais. En CM2 à Noël. Genre, elle pourrait t'emballer là. Bah, je sais pas. Si t'es fait une poignée en papier cadeau. J'avais fait un petit papier cadeau. Donc, je me suis dit, on va faire ça. Elle voulait que je mette du temps déjà à ouvrir le truc. Ouais. Alors, que nouveau ces cadeaux, dis-nous. J'ai pas compris la question. Ah, elle a pas compris la question. Pourquoi ce swap, madame? Pourquoi cette envie de swap? Ah oui, elle a fait, regardez. Bah, je voulais un paquet en carton. Et en fait, je voulais un paquet en carton, tu vois. Ouais. Tu voulais faire carton dans les cartons dans les cartons? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, j'ai déjà fait cette blague. Donc, avec Thaïs, elle a fait déjà cette blague où elle m'a fait un gros carton avec un autre carton, avec un autre carton, et je sais même plus ce qu'il y avait dedans tellement il y avait de carton. Alors, c'était des cotons-tiges. Ah ouais, des cotons-tiges, voilà. C'était un superbe cadeau. Ouais, voilà. Donc, voilà, hein, voilà, voilà. En fait, du coup, je voulais prendre un papier, enfin, tu sais, un sachet normal là. Un plastique? Non, un papier en carton là. Ah oui, tu voulais, elle voulait faire un sachet en... Ouais, en oui, carton. Je vois, ok, ouais. Un sachet et cartonné. Et coller ça dessus. Ok. Sauf qu'on n'en avait pas. Du coup, bah, j'ai dû le mettre dedans. D'accord. Let's go. Donc, je peux prendre au hasard? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi. Je prends au hasard et je lis tes indications. C'est parti. Tu l'attends depuis longtemps. Ah, alors ça doit être le bracelet que tu m'as fait en version doré, noir. Là, t'as pas mis tes bracelets. Bah, j'ai mis celui-là ce matin. Ouais. Bah, je me suis fait opérer. Alors, du coup, Attends, ça dépend. Genre, elle a fait une petite boîte et tout. Voilà. Une petite boîte avec un ma reine de cœur. D'ailleurs, j'ai mis mon t-shirt. Hein. Ah oui, j'avais marqué. Et j'ai mis mon bracelet et mon t-shirt, mais j'ai oublié un autre bracelet. Bah oui, excuse-moi, j'ai même pas remis mes boucles d'oreilles après mon opération, donc c'est pour te dire. Donc celui-ci est trop beau aussi, il va aller avec le bracelet que Laetitia m'a offert, qui est un petit peu doré aussi. Fantastique. Alors attends, faut que tu... Oui, ça va aller avec le bracelet, fantastique, trop bien. Donc on va le mettre, parfait la taille en plus, au top. C'est bien. Et alors pourquoi tu avais envie de faire des cadeaux? Voilà, tu n'as toujours pas répondu. Il faut pour un pour écrire. Alors il en faut un pour écrire, je pense. Bon, non. J'imagine que c'est un stylo. Ou pas. Alors pourquoi je swap? Ou un crayon gris? Bah écoute, je sais pas pourquoi je swap. Je t'expliquerai après à la fin de la vidéo, tu comprendras. Ok, d'accord. Oula, elle me fait peur. Vraiment, Luna me fait peur. On dirait rien. Ah, trop mignon. C'est un petit stylo diamant. Ça, c'est action, non? Ouais. Un petit stylo comme ceci, diamant. C'est du ça... luxe. Il est marqué. C'est quoi? Luxe, stylo de luxe, c'est ça? Ouais. Ça ressemble au stylo Swarovski. C'est dans le style Swarovski, c'est pour ça. Avec des petits diamants à l'intérieur, trop cool, merci. Donc il y a pas de... elle sait pas pourquoi elle a fait ça. Non, c'est trop gentil. Pour ne jamais perdre ton porte-monnaie. Pour ne jamais perdre mon porte-monnaie. Un truc pour le détecter, non? Ça existe ça? Je crois qu'Action ça existe. Ouais, je crois que ça doit être un peu cher ça. Ouais, ça doit être cher. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Merde, mince, j'ai cassé l'étiquette. T'as arraché l'étiquette. Alors elle m'a mis, tu m'as mis des conneries, hein. Elle a mis pour, voici un mini budget planner. Ah ouais, elle est vraiment mini, hein. Tu mets des petites monnaies, là. En plus, t'as mis des sous dedans. Bah ouais, hein. Ma mamie, elle m'a dit, on n'a jamais un porte-monnaie sans sous. J'ai mis des sous. C'est vrai ça, je savais pas. T'étais pas obligée, tu les récupéreras tes sous. C'est trop en fait, mignon. T'as pas compris. Alors attends, si ça se met autour du poignet, non? Voilà, c'est pour ça que tu vas jamais le perdre. Ah bah ouais, ouais, voilà. je vais être sexy avec ça. Ah oui, t'as le luxe. Ah voilà, j'ai la classe, hein. Ouais. Ça peut être pas mal quand tu fais les brocantes, non? Et que tu veux avoir juste de la monnaie et pas de sac, non? Sérieux? T'as trouvé ça action, j'imagine? Non. Non, mais... non. En fait, du coup, là, maintenant, je peux t'expliquer l'idée du swap. On est allé manger à Crocodile. Et tu vois, il y a une petite pince à Crocodile. Une petite?
pince là pour... Ah oui, pour rattraper les cadeaux. Moi j'ai voulu une balle reconnaissante, sauf que j'ai eu ça. Et du coup bah, j'ai eu l'idée de faire un sort, je me suis imaginé un petit truc en mode bah on met pour ne jamais perdre ton porte-monnaie. Et du coup bah après bah j'avais que ça après, du coup bah je me suis dit bah on allait acheter des trucs. Voilà. Donc c'était grâce à ça que t'as lancé cette idée. Oui, voilà. Ouais. Donc tu peux lui dire merci hein, quand même. Alors merci petit lapin rose. C'est une sorte de lapin hein. Donc grâce à ça j'ai plein de cadeaux. Voilà. Un bain avec des paillettes. Ça c'est une boule pailletée. Ça t'a bien enveloppé. Hein. Je t'en rachète tout, ça va, ça te fait pas trop de mal au cœur. J'ai pas tout dit pour mon après-midi. Ouais, elle est bien pailletée, dis donc. Ouais, pardon, je pense. Elle est vraiment paillette. Disco Fizz, The Bass Company. Ah ouais, elle sent rien. Il y a le plastique autour. Ça sent. Ouais, la boule de bain, quoi. Mais elle est. Team Rose, là, non? Un peu? Ouais. Après une belle routine, on met le. Ça, c'est un beau cadeau en vrai, hein. Le masque et le soin, le diadème, je sais pas, ça ressemble à un... C'était bizarre la forme. Ah bah oui, je suis belle. Oui, ça c'est un beau cadeau. Ah, t'en as trouvé un beau là, Serpentard. Bah ouais, je te voyais bien avec mon petit t-shirt vert là, Serpentard. Il est beau, il est tout vert foncé comme ça, un peu... Serpentard. Ça fait style velours, mais c'est pas velours. Ouais, il est pas mal du tout. C'est trop beau avec l'étiquette et tout. Non mais il est classe, il est beau. Bon ça oui, tu savais que ça allait me plaire, on a les mêmes goûts à ce niveau là. Pareil, je pense que c'est chez Action celui-là. Non. C'est chez Dior. Ah tu m'as mis des cotillons. Tu voulais les balancer à la fin, c'est ça? Ouais bah du coup les laissons. Ouais hein, c'est dans ça. Tu les ramèneras chez toi hein. Oh non. Mais j'ai pas eu de faire de ménage hein. On les mettra à la poubelle. De belles mains douces. Ah une crème par les mains. Bah oui, tu m'as dit que tu aimais bien ça. Ah j'aime bien ouais. Ah ouais trop cool. C'est de chez Nocibé à la pomme d'amour, c'est ça? Ouais, pomme d'amour. Mmh, j'aime trop l'odeur de la pomme d'amour, ça fait trop longtemps que je l'avais pas senti. Ça sent trop, merci. Merci Maluna. Tu sais que t'étais pas obligée de me faire des cadeaux. Hein. Tu dois pas dépenser d'argent logiquement ouais. Pour moi. Ah, il n'y a pas de mot, moi je pense que le mot il s'est sauvé. Ah bah oui, il l'a. C'est quoi? Alors. Un petit. Tes idées, tes projets, des notes, c'est là-dedans que ça se trouve. Donc un petit carnet pour mettre toutes mes notes. Du coup, j'ai le carnet, le stylo. Yeah, il est trop beau. Today is the perfect day. Tu sais ce que ça veut dire? Non, mais c'est pas grave, on va utiliser Google Traduction. Bah, aujourd'hui, mais non, il n'y a pas besoin. Non, aujourd'hui, alors, c'est aujourd'hui, le jour parfait. C'est le jour parfait. Bah, il est beau. J'aime bien la couleur à l'intérieur, donc c'est un... avec des lignes simples. T'as vu, c'est parfait aussi. Ouais, j'allais dire, c'est dans le même ton. Alors, il y a du vert, il y a du rose. Hein. Du vert et du rose, ouais, parfait les couleurs. Et alors, voilà. Le petit touche final, c'est celui-là. Ouais. Donc, elle m'a fait un cadeau spécial pour un projet qui arrive très bientôt. Mais vous ne le saurez pas. Mais on va pas le dire tout de suite. Moi, j'attends que ce soit sûr. Mais on peut vous montrer le petit cadeau quand même. Ça vous donnera un indice. Ah ouais, c'est un petit marque-page avec écrit Best Marraine de cœur. Je pense que c'est trop beau, hein. Moi j'aime trop le petit pompon là. Avec le petit. Je vous montre le petit pompon. La petite étiquette. Trop mignon. Trop bien. Parfait, Maluna. Ouais, elle a voulu sortir ses coutillons là. Bah ouais, attends, on va faire une belle. On va faire une beauté. Alors. On va pas mettre trop de bazar dans mes cheveux. T'inquiète, tu nettoieras après. Ouais, tu nettoieras après. Voilà, trop belle. Voilà. Allez, allons. Hop. Et elle avait même ramené les boules, mais ça va les ramener chez elle. Hein, parce que si ça va dans ma maison, mes enfants, ils vont faire n'importe quoi avec ça. T'as fait tomber une boule. Attends. Qu'est-ce qu'elle me fait Oh non, pas dans mon oreille. Oh. Merci Luna. Et moi, j'ai un petit cadeau aussi pour elle. Je vais vous montrer. Et puis après, on va ouvrir les colis. C'est bon, rec. C'est marqué. Alors, on va mettre en boule les papiers. Je
J'ai reçu plusieurs colis et du coup on va ouvrir ça avec Luna, hein. Autant rester avec notre VIP. Ce premier colis est un colis de la part de La Neige et c'est un... Les cases en case. Non mais il faut qu'elle arrête avec son truc, hein. Qui fait ça? Est-ce que vos enfants vous embêtent avec... Il est quelle heure? 15h15. 15. C'est bon. Il est 14. Je reprends. Regardez. 15h15. T'es chevotée. Vous avez vu, je suis même sur son fond d'écran. C'est un peu obsessionnel tout ça, non? Bah oui, c'est pour ça que je l'ai montré, sinon... Bon allez, tu me laisses finir maintenant? C'est parti. Du coup, j'ai reçu un petit colis de la part de La Neige avec un petit kit comme ça, avec 5 pièces à l'intérieur qui permettent de tester tous leurs petits produits. On a à l'intérieur, Madame Luna, les essentiels de chez La Neige. On a un nettoyant pour en version mousse, un sérum, une crème hydratante, le fameux masque de nuit pour les lèvres que j'adore et que j'ai déjà utilisé 50 milliards de fois, et le masque de nuit hydratant. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oh, c'est trop mignon. C'est trop cute. Regarde-moi ça, c'est trop cute. On dirait une boîte pour mettre les AirPods, hein, par contre. On dirait une boîte quoi? Ah ouais, c'est vrai. Ça fait très boîte. Mais après, c'est pas autant... Ouais, c'est pas aussi large. Là, c'est la crème hydratante de chez La Neige. Le fameux masque de nuit hydratant qui est comme ceci. Le petit... C'est vraiment un tout petit pot, mais c'est vraiment le kit pour tester le masque de nuit pour les lèvres, celui-ci. Donc ça, c'est pour le visage, ça, c'est pour les lèvres. On a... Bah ouais, mais c'est pour tester, c'est un petit kit de... pour emmener pendant les vacances, soit tu testes pendant 2 semaines et tout. On a le sérum, il est ici, le sérum Waterbank de chez La Neige. Et on a pour finir la mousse nettoyante quand même, qui a un bon format. Donc qui a un 30 grammes, donc c'est pas mal. Hein. Là en fait, c'est un bon à l'intérieur. Du coup, c'est un peu de l'arnaque, parce qu'il va... Voilà quoi. Oui, mais c'est vrai que les pots, mais ils sont tous comme ça, hein, les pots La Neige, c'est-à-dire qu'ils ont l'air gros, mais à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de quantité. Dans le masque de nuit, vous avez que 3 grammes pour les lèvres. Dans le masque de nuit, là, vous avez 10 grammes pour le visage et pour les lèvres, vous avez que 3 grammes. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça permet de tester assez longtemps. Sache que le pot, moi, que j'ai, je crois qu'il fait... il fait 10 grammes, le pot normal, et je l'utilise pendant 6-8 mois. Il dure longtemps. Hein. Donc là, même 3 grammes, vous avez quand même de quoi faire. De quoi tester correctement. C'est un bon petit kit, moi j'aime bien. Ça va être des produits que je vais pouvoir découvrir. Je connais pas du tout les soins visage La Neige, donc ça va être l'occasion de les tester. Donc je suis contente, merci La Neige, parce que ça c'est un beau kit pour emmener en vacances. Donc est-ce que je vais l'emmener avec moi au Canada? C'est probable pendant mes vacances d'été. J'ai reçu la nouveau box et là les autres colis c'est des box, donc comme ça on va ouvrir ensemble des petites box. La nouvelle box, est-ce que tu veux faire l'unboxing? C'est parti. Alors avant j'explique ce que c'est la nouvelle box. C'est une box beauté que vous pouvez recevoir à la maison. Vous avez toujours à l'intérieur un petit livre comme ça qui s'appelle Pépites, qui présente les dernières pépites qui sont sur le site Nuo. Et Nuo, c'est un site où vous trouvez tout ce qui est bio, des produits naturels, plein de produits, que ce soit pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, etc. Vraiment, il y a de quoi faire. Et donc, ils proposent une box tous les mois avec une petite sélection de produits à découvrir. Je vois des choses qui me plaisent bien déjà, vas-y. T'es spoilé. Bon, alors, ça, on a une carte. Une carte sur le mobilier Tikamoun. Alors, je connais pas du tout. Alors, et ensuite, on a. Regardez, c'est très bien présenté. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est. Le packaging est plutôt pas mal. Hein. Mais pourquoi tu prends cette air de fille superficielle là? Parce que tu dis à chaque fois. Pas normalement. D'accord. Alors. Voilà, le packaging est super. Ouais, l'intérieur est plutôt canon. Alors, on commence avec un shampoing sec. Ouais, c'est ça. Alors, pour tout type de cheveux. Et c'est de la marque by Savon Stories. Je connais pas du tout cette marque d'ailleurs. Mais j'ai déjà eu ce style de shampoing sec. Et c'est pas mal parce qu'il n'y a pas ce côté bombe qui est pas très bon au niveau de l'écologie. Là, c'est un packaging en carton, du coup recyclable. Et est-ce que je vais y arriver à l'ouvrir? Voilà. Donc ça se présente comme ça, à l'intérieur vous enlevez l'opercule et bim bim, sur les cheveux, tu mets comme ça. Oh non, non, non. Merci. On met quoi, sur les cheveux. Ça sert à quoi? Ça sert à dégraisser ton cuir chevelu pour ceux qui ont le cuir chevelu qui regraisse vite et qui doivent se laver régulièrement les cheveux, c'est pour espacer les shampoings. Donc par exemple au lieu de se laver les cheveux tous les 3 jours. Oui, ta mère elle en utilise, mais en sheet, et tu vois, peut-être qu'il faudrait qu'elle essaye celui-là. Je farine un petit peu comme ça.
Alors oui, là c'est sous forme de poudre, vous mettez ça du coup sur vos racines, vous mélangez, c'est censé s'estomper, hein. Vous pouvez répartir le produit avec une brosse pour que ça s'en aille plutôt bien, mais voilà, à saupoudrer sur le cuir chevelu. Moi je n'utilise pas spécialement le shampoing sec, mais pourquoi pas le faire tester à ta mère. Bon, après il y a un sérum désaltérant de la marque Clément C'est Vivien. Moi je l'adore ce sérum, je l'ai déjà utilisé. Alors c'est bio. C'est quoi? C'est bio. Bah oui, c'est bio. De toute façon, là, il n'y a que des produits naturels ou bio. Ah. Donc ça, c'est un sérum qui coûte pas très cher. D'ailleurs, sachez-le, il coûte, je crois, autour de 6-7 euros. C'est quand même un flacon de 50 ml, donc une bonne quantité pour un sérum. Et je l'ai déjà testé, je l'adore. Il est très bien, donc je vais pouvoir le reglisser dans ma routine, là. En ce moment, je suis dans les sérums Aromazone, mais celui-ci, il est super aussi. Il est aussi bien que celui d'Aromazone. Donc ça, c'est un bon produit qui fait plaisir. Après, il y a un gel solaire transparent. Une crème... Ah ouais, transparente. Une crème une crème solaire indice 30 quand même, mais effet transparent de la marque UV Bio. C'est pour le visage. 30. Vu la taille, ouais, c'est pour le visage, c'est un 30 ml. Il est marqué. C'est écrit, oui, pour le visage. Visage. Ah, elle est transparente, mais elle est jaune quand on la sort comme ça. Hein. Alors, on va montrer. C'est sûr qu'elle est transparente. La texture, elle est un peu jaune, huileuse. Alors elle est transparente, mais elle va faire quand même cet effet un peu blanc. Je sais pas si vous verrez, mais elle a ce côté un peu blanc. Hein. Elle est assez huileuse, alors je sais pas si c'est normal ou pas. C'est peut-être le début. Ouais, c'est parce que c'est le début. T'as la crème partout sur tes mains maintenant. Ouais, c'est pas grave. Mais l'odeur, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va, ça sent bon. J'aime pas trop moi l'odeur, je sais pas, je trouve ça bizarre, mais là ça fait vraiment une texture huileuse. Alors c'est peut-être parce que c'est le début du produit, c'est la première fois qu'on l'utilise, mais à voir. Je suis pas fan. Alors, on continue avec un... Ah, trop bien! Ça, c'est un bon gel produit. À l'aloe vera. C'est pour des jolies boucles, ça! À l'aloe vera. Trop bien! Un gel de la marque WAM, qui est une marque spécialement, je crois, destinée aux cheveux bouclés ou afro, etc. Donc, c'est un gel d'aloe vera, 97% d'aloe vera, hydratant, apaisant et protecteur. Et vous pouvez l'utiliser le visage, corps et cheveux. Évidemment, moi, je vais l'utiliser pour... Les cheveux! Mais quelle question! Alors, le gel d'aloe vera, j'aime bien aussi l'utiliser sur la peau quand vous avez brûlé au soleil ou que vous avez des irritations, ça peut apaiser. Mais celui-ci, je pense que j'utiliserai plus pour mes cheveux parce que j'ai d'autres produits pour apaiser la peau. Trop cool! Eh ben écoute, qu'est-ce que t'en penses? Il y a quand même deux produits que j'adore particulièrement et deux que je suis un peu moins fan. Donc, je suis quand même contente, moi, d'avoir reçu le gel d'aloe vera et l'acide hyaluronique. On passe à la suite. Alors la box, la suivante c'est la... J'ai même pas ouvert ça. Blissim. La Blissim. Alors le packaging est... Ouais, il est sorti à nous. Tu vois, t'as choisi un haut parfait. Ah, il est trop beau. Parce que moi je suis pas assortie. Ouais, mon chouchou est assorti en fait. Mais c'est une belle boîte. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Le thème est escapade. Escapade, oula, je vois que derrière il y a ça et ça, ça me plaît. Les secrets de Loli. Ah, est-ce qu'il y a un produit là-dedans? J'en sais rien, mais en tout cas, à venir sur le shop. Oui, il y a une box en ce moment sur Blissim avec les secrets de Loli. Donc je pense que restez connectés. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On a un petit papier Next Story et Blissim avec des histoires à découvrir sur l'application Next Story. Je ne connais pas du tout. Et on a un petit échantillon. Ah non, c'est pas un échantillon, mais un... un patch lissant, défatigant au bleuet de chez Chlorane. Ça, je l'ai testé parce que j'en ai et j'ai tendance à jamais les utiliser. Il faut vraiment que ça. Quoi les patchs? Bah, c'est pour un peu hydrater, voilà, hydrater, remettre un peu de punch au niveau de ton regard. Ton regard, voilà. Et vas-y, je te laisse regarder les autres. Bah, non, il n'y a pas de produit, les secrets de Loli, sachez-le. Mais. C'est très beau, par contre. J'aime bien les couleurs. Ouais, ils sont belles les couleurs, ça fait très estival. Ouais, on va pas dire la marque, je te laisse le faire. Donc c'est Schwarzkopf, c'est un traitement pour les cheveux, un masque 2 en 1 pour cheveux sensibilisés par le soleil. Donc ça, c'est un produit à utiliser l'été pour apaiser vos cheveux qui ont été agressés par le soleil. Donc ça, c'est cool, c'est un produit que j'utiliserai parce que moi, pendant l'été, j'aime bien utiliser ce genre de produit. Donc ça, ça servira pendant l'été, c'est trop cool. De la marque, voilà. Qu'est-ce que c'est? Une émulsion teintée. Appliquez quelques gouttes sur la peau après votre crème de jour et va s'adapter à toutes les carnations. Évitez les yeux. Ah oui, c'est vrai que ça teinte. Je ne sais pas si vous verrez, mais ça teinte légèrement. Ça donne vraiment ce teint un peu hâlé. C'est pas mal. Ça brille un peu.
Bon, mais ça c'est parce que c'est lié, je pense, à la crème que j'avais mis en dessous. Mais ça fait vraiment quelque chose de doux. C'est pas vraiment le truc qui va se voir et qui va faire dégueulasse. Donc c'est pas mal. Écoutez, à tester. Je connais pas du tout, mais à tester. Donc de la marque Voilà. 99% d'origine naturelle. Alors il y a quelque chose de la marque Caudalie. Alors, il n'y est pas marqué. Alors, qu'est-ce qu'on a de Caudalie? Alors, c'est un soin liftant regard. Donc, ça, c'est vraiment un produit exprès pour le regard, pour le contour de l'œil, encore une fois. Donc, là, c'est une box un peu en mode il faut avoir un beau teint avec un beau regard pour les beaux jours. Donc, ça, c'est plutôt cool. Moi, c'est un produit que j'appliquerai. Et ils disent aussi que vous pouvez l'appliquer autour des lèvres quand vous avez un peu les lèvres ridées là, à ce niveau-là. Donc, contour des yeux, contour des lèvres, sachez-le. Donc, ça, j'utiliserai. J'ai d'ailleurs des produits Caudalie à utiliser, donc ça ira dans la routine. On a un produit Baija, trop bien, un gel pied. Moi j'adore, ouais. En plus, c'est mon mari qui met de la crème sur les pieds. Non, je rigole. Donc, moi j'adore les produits pour les pieds. Donc, un gel pied défatigant à l'extrait de guarana, vigne rouge et petit houx. Ça sent vraiment la crème pour les pieds, mais avec une petite touche Baija. Alors, je sais pas si toi tu vas sentir, mais une petite touche un peu plus. Ensoleillée, mais avec la fameuse odeur un peu pour les pieds menthe. Donc, ah oui, c'est ça que je sens. Ouais, il y a le côté mentholé un petit peu, mais ouais, moi ça me dérange pas. Ça c'est trop cool, je suis contente. Et alors, une marque que j'aime beaucoup aussi, c'est Embryolisse. On a un masque hydratation intense en gelée fraîcheur au nymphéa blanc. Et ben écoutez, moi les produits Embryolisse, je sais pas si le focus va se faire parce que quand on est deux, je crois que le focus il va pas y arriver aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est de la marque Embryolisse et c'est un pot assez basique. Et ça, c'est cool. Un masque pour le visage, ça sert toujours. Bon, voilà, c'est la petite box. Moi, j'aime bien la Blissime, qu'est-ce que t'en penses? Cette petite bol. Elle est plutôt pas mal. C'est une box où les produits pourront servir, donc plutôt bien. Pas mal. Et la dernière box du jour, hop, avec Luna. Alors n'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo si ça vous fait un peu rire ou si ça vous change de mes vidéos d'habitude. On like, on s'abonne si c'est pas encore fait. Et pour la dernière box, c'est la Beautiful Box, toujours une box bio. Et le packaging, je suis pas extrêmement fan, je sais pas ce que tu en penses. Ça donne pas envie de voyager, mais ça fait plutôt printanière. Ça fait un peu quoi? Printemps. Voilà, printanière. Alors que là, on aurait voulu quelque chose de plus estival pour l'été et tout ça. Mais elle a l'air bien remplie. Le thème, c'est vitamines et actifs superfood pour booster votre organisme et votre peau. Elle est bien remplie, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un sublimateur éclat pour le buste, pour avoir ici un buste au top pour les beaux jours, pour pouvoir faire péter les décolletés. Donc, à l'extrait de baie de goji et à l'huile de graines de chia. Donc ça, c'est cool. C'est de la marque Mademoiselle Cerise Co. Alors, je connais pas cette marque. On a toujours dans la Beautiful Box des petites cartes pour vous expliquer un peu comment utiliser les produits, des codes promo, des choses comme ça. Ah voilà, c'est vraiment pour la femme. Donc oui, effectivement, dans cette box, c'est vraiment pour la peau, l'organisme. Ils ont mis un produit de gel intime de la marque LN Naturel, je pense que ça se prononce comme ça. Donc ça, c'est à utiliser quantitativement quand on se lave. Hein. Donc pourquoi pas. Enrichi au prébiotique et testé dermatologiquement et gynécologiquement, évidemment. On a un soin cheveux après shampoing. J'arrive plus à lire aujourd'hui. À l'huile de lin bio, voilà, très bien. Donc ça, je connais pas, de la marque Hydracle. C'est ça, hein? Hydracle. Ah, c'est dur, hein? Hydracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cet après-shampoing à la texture onctueuse démêle les cheveux en leur apportant douceur et souplesse, composé de beurre de karité et d'huile de lin bio et d'huile de chanvre. Il permet de faciliter le déménage sans alourdir les cheveux. Écoutez, ma foi, ça servira. Les mini formats comme ça, moi j'aime bien les emmener en vacances, donc ça me va. Ouh, ah mince, je croyais que c'était mon oeil. Ça m'a eu. Ah oui, ça m'a eu écrit Beaumoy, j'ai lu mon oeil. En plus, le jaune, ça m'a mis un doute. Donc, c'est une crème solaire indistrante à l'extrait de curcuma bio et à l'aloe vera de la marque Beaumoy. L'efficience cosmétique. Une marque éthique du coup. Alors aujourd'hui j'ai décidé de tester toutes les crèmes. Tu vas être recouverte de crème. Donc là, on voit pas. C'est une crème blanche. Ah, alors elle va faire cet effet blanc là. Ça sent rien. Je sais pas, j'arrive pas à rien sentir.
En tout cas, ça sent rien, donc c'est pas désagréable. En même temps, on a senti trop d'odeur. Hein. Non, ça va. Alors, la texture, elle est particulière. C'est pas. Je pense qu'elle va faire un effet blanc, mais pourquoi pas. Ça sera sûrement utilisé pendant les vacances d'été. Luna, elle connaît pas du coup les produits, ça me fait rire. Alors, c'est un hydrolat pour le visage. C'est une sorte de. Tu ferais l'autre. Ouais, tu feras l'autre si tu veux. C'est une sorte de petite eau comme ça, à base de menthe, qui va. De menthe poivrée même, 100% naturelle et 100% biologique, qui va purifier un peu le visage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ses vertus? C'est un allié beauté. Pour un bien-être d'état général. Elle est purifiante, astringente sur les peaux mixtes à grasse. Elle apaise les peaux sensibles et améliore la circulation sanguine. À appliquer sur votre peau nettoyée à l'aide d'un coton réutilisable ou directement en pulvérisation. Alors, c'est pas le style de produit que je vais utiliser parce que moi, j'ai pas la peau mixte. Ah, elle sent bon. C'est une bonne odeur de menthe. C'est sympa, c'est agréable. Mais moi, après, c'est pas forcément adapté à mon type de peau, mais je trouve que c'est un bon produit et c'est une belle marque d'ailleurs. Hein. C'est la marque Lafar 1789, donc c'est une très bonne marque de soins. Alors, des gummies de la marque, c'est quoi la marque? C'est solaire ou c'est Vegum solaire ou c'est de la... Non, alors c'est des gummies solaires pour préparer la peau. Je fais encore l'autre. Le savon. Le savon, ça va, c'est dans tes capacités. Bah oui. Donc là, on a des gummies solaires de la marque Vegum solaire. Donc c'est l'atelier des secrets et ça vous propose de manger une gummies solaire par jour pendant 7 jours. Donc là, il y en a 7 à l'intérieur. Pour pouvoir préparer sa peau au soleil. C'est à base de bêta-carotène, lutéine, citrate de cuivre et vitamine A. Donc ça, pourquoi pas. En plus, 7, ça va. C'est bien, c'est pour tester, mais ça va, vous n'allez pas voir de différence, je pense. Ça aurait été bien d'avoir une vraie boîte, mais bon, ça va peut-être coûter plus cher. Bon, alors, le savon. Le dernier produit pour Luna. Alors, de la marque... non. Bon, un savon au lait de chèvre bio, de la marque Goat Seco, je crois. Alors, c'est pas Seco, hein, c'est Goat & Co. And, okay. Ça c'est Goat and et compagnie, quoi. Alors, donc, c'est un savon au lait de chèvre, t'as ça, tu l'as dit, naturel. Je vais voir, est-ce que ça sent bon? C'est cosmétique, Nat. J'ai déjà eu des savons de cette marque-là, je pense. Ça me dit quelque chose, mais j'en avais des petits. Ça se présente comme ceci. Ils sont plutôt beaux, hein, comme petits savons. Ça sent rien de spécial. Oui, ce soir. Ouais, ça sent... Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce petit savon? Ce lait a un effet régulateur de sébum grâce aux acides lactiques. Il a un effet apaisant et permet de lutter efficacement contre l'acné. Ce savon ne contient ni parfum, ni colorant, ni huiles essentielles. Il peut donc être utilisé sur tout type de peau, notamment les peaux jeunes et sensibles. C'est pour toi, ça? Ouais, mais j'aime pas. Je préfère un petit pouce-pouce là pour me laver, c'est un petit peu mieux. Mais c'est pour le visage, là, hein. C'est pas pour le corps, hein. Mais j'en ai déjà. Enfin, vous pouvez l'utiliser sur votre corps, mais en tout cas, il est adapté pour le visage. Tu vois, regarde, il y a écrit régulateur de sébum. Ça veut dire que c'est pour le sébum, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qui fait que t'as des boutons. Ah. Tu sais, l'adolescence, acné, tu vois, lutter efficacement contre l'acné. Donc ça veut dire que c'est cette zone-là. C'est un beau format, en tout cas, c'est un grand format du savon, enfin 100 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, il y a de quoi, il y a quand même pas mal de produits en cours. On a quand même 4, 5, 6, 7 produits. Avec les gummies, ça fait 7. Donc c'est quand même un format généreux. C'est une bonne box. Pour les beaux jours, c'est pas mal. C'est pas ma préférée de ce mois-ci, mais c'est pas mal. Laquelle t'as préférée du coup, Luna, entre les 3? Je sais pas, je connais pas trop les marques en vrai, donc... Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez préféré entre les 3. Moi j'avoue que la Blissim elle est pas mal du tout. Et la Nuo Box aussi elle est pas mal. La Beautiful Box elle arrivera en dernière position je pense. Sur ce, on va vous quitter là avec cet unboxing. Merci encore pour ce petit swap ma petite Luna. Merci pour ces petits cadeaux. T'as pas fait la gourde du coup, t'as pas montré le cadeau. Ah ouais, j'ai oublié, pardonnez-moi en plein milieu. J'ai oublié, je suis partie chercher les colis, j'ai complètement zappé. Alors je lui ai préparé une petite gourde. Elle l'avait vue, de toute façon je l'ai acheté à Action. Ah bah oui, on s'était croisés. Mais... Tu viens, t'as vu ou pas tout à l'heure la petite personnalisation? Ouais, en fait j'ai évité de regarder, tu vois, du coup c'est pour ça que j'ai filmé. Ah, donc t'as filmé en regardant ce que c'était? Non, ah. En mode j'ai évité de regarder. Du coup, ah, t'as évité de regarder. Ouais. Donc là. Du coup, j'ai toujours pas filmé, c'est pas grave. Attends, je le montre et je te montre. Ouais. Donc là, il y a écrit Luna, j'ai fait avec un grand L et des fleurs, je sais pas si vous verrez parce que c'est vrai que c'est en transparence. Et de l'autre côté, j'ai mis. Tu vois ou pas? Fiel de cœur. Oui, fiel de cœur.
si elle m'a fait marraine de cœur, du coup moi j'ai fait la gourde filleule de cœur. Donc logiquement c'est du thermo coulant. Enfin c'est du vinyle permanent mais qui change de couleur. Donc quand elle va mettre de l'eau fraîche à l'intérieur, ça va devenir rose fuchsia un peu plus bim. On pourra tester tout à l'heure. Donc voilà madame, ça va, elle te plaît? Merci beaucoup. De rien. Voilà. Mais moi c'était pas un swap parce que j'avais pas prévu hein. Mais j'en ai déjà fait un swap pour son anniversaire. Bah oui, c'est pour son anniversaire. Tu vois, j'ai un peu remboursé le truc. T'insinues que t'as envie que je t'en fasse un pour ton anniversaire qui arrive? Non. Il n'y a pas du tout d'appel dans cette histoire hein. Je sens son appel. Non mais c'est peut-être, tu verras. C'est pas encore ton anniversaire. Gourde. On vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Ouais, c'était un peu plus brouillon que d'habitude. Forcément, je suis avec quelqu'un et du coup, c'est pas pareil. Mais j'espère que ça vous plaira. Mais non, c'est pas toi le brouillon, c'est que c'était un peu plus. En plus, ça fait longtemps dissipé. Que j'ai pas filmé. C'était plus dissipé, voilà. Et en plus, ça fait longtemps que j'avais pas filmé comme ça. Donc, forcément, c'est un peu. Même pour moi, c'est un peu plus. Ouais, filmer posé comme ça. Non, pas posé. Enfin... Ça me stresse de pas avoir la même qualité que d'habitude avec cette caméra. Mais bon, ma foi. Contente de ces petites réceptions, contente de ces petits cadeaux. Je vais pouvoir utiliser ma petite crème pour les mains. Et tout ça, et tout ça. Et ça, bah, la petite surprise. Qui arrive prochainement, je vous en parlerai très 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 bientôt. J'attends juste confirmation d'être sûr et après je vous en parlerai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Enfin, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Salut.